Yo les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Bienvenue au Maître Kelgym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. En direct. Voilà, je suis devant le Maître Kelgym dans un endroit magnifique. Franchement, pourquoi c'est magnifique, les amis? Parce que c'est zen, c'est tranquille. Tu peux t'entraîner en plein air, tu peux t'entraîner à l'intérieur, tu peux courir, c'est un parc énorme. Attendez, je vous montre ça. Voilà, donc. Là, vous arrivez par là, les amis. Vous rentrez. Là, c'est tout le bâtiment, c'est le Maître Kelgym. Après, en extérieur, ici, vous pouvez vous entraîner aussi. On fait des cours de cross en extérieur. Et là, on a tout ce terrain-là. On peut faire des activités même en extérieur, etc. Bon, les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc, comme l'indique le titre. Je gagne 10 000 euros par mois. Mais il y en a plein qui vont cliquer sur le titre. Ils vont dire, putain, mais un coach sportif qui gagne 10 000 euros par mois. Mon patron d'une salle de sport. C'est dingue quand même, comment il fait? Comment il fait? Bon, revenons à la source, les amis. Je vais me poser sur un pneu. Voilà. Revenons à la source, les amis. Franchement, je pense que le jour où je vais gagner 10 000 euros par mois, bon, je vais pas vous dire, moi je suis un influenceur ou un machin. Les influenceurs, ils gagnent même plus s'ils veulent, etc. La vie de rêve à Dubaï, etc. Mais moi, j'aime pas le virtuel. Je vis pas dans le virtuel parce que le jour où il n'y a plus de réseau, machin, etc., qu'est-ce qu'on fait? On est dans la merde. Parce que maintenant, tout passe par les réseaux, tout passe par Internet. T'as plus de connexion, t'es mort. T'as plus de téléphone, t'es mort. T'es stressé, t'es malade. Sauf que là, les amis, même si j'ai plus d'Internet, machin, etc., il me reste le Maître Kelgym, les machines, la fonte, tout ça, et tu peux toujours te développer, bouche à oreille, etc. Ça, c'est le vrai, parce que ça ramène, un jour ou l'autre, ça ramènera 1 000 fois mieux que les 10 000 euros annoncés dans le titre. En revenant à la source, les amis, j'ai commencé YouTube et Internet, moi, les réseaux sociaux, en 2013-2014. J'avais créé une page qui s'appelait, à l'époque, Hardcore Team HK. Bon. Non, je suis en vidéo. Tu veux dire coucou à YouTube? Voilà. Bon, on se tient au jus? C'est toi qui vois. Si t'as le temps maintenant, fais-le maintenant. Comme ça, t'as plus rien à faire après. Allez. Bon, voilà, les amis, ça, c'est mes adhérents. Alors, on est une famille ici, les amis. Et les gens, on s'occupe d'eux de A à Z avec le concept. On va venir à ça, les amis. Pour se différencier, pour pouvoir tenir une barque sur l'eau et ne pas la couler. Les amis, j'ai commencé en 2013-2014 avec une page Facebook qui s'appelait Hardcore Team HK et une chaîne YouTube qui s'appelait Hardcore Team HK et mon Instagram s'appelait Hardcore Team HK avant que je devienne maître cal. D'accord, les amis? Et je suis maître de personne, je suis le maître de moi-même et je suis maître de mon destin. D'accord? Les amis, on a commencé avec un vieux téléphone LG et je voulais à tout prix partager ma passion. Avec toujours le même slogan qui était « Il n'y a que la souffrance qui paye ». Il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que ça qui paye, les amis, dans la vie. Quoi qu'il arrive, dans le travail, dans la vie, dans les relations amoureuses, dans tout, les amis. Bah, tu galères, tu tombes, pourquoi on tombe, c'est pour mieux se relever. Mais un jour ou l'autre, tu auras ton heure de gloire. Vous savez très très bien que moi, j'ai vécu quand même le Spartiate Gym, il est tombé. Voilà, le Maître Kelgym, c'est une version plus développée, 1 000 fois mieux, j'ai appris de mes erreurs. Voilà, peut-être j'ai fait des erreurs avant, voilà. Mais j'avais toujours cette flamme qui est la passion et continuer toujours à transmettre cette passion aux jeunes d'aujourd'hui au lieu d'aller fumer du shit ou prendre de la coke ou l'extra ou je sais pas quoi. Bon, en gros. Les amis, quand j'avais commencé sur YouTube et tout ça, certes, j'avais mon caractère de clasheur. Clasheur, les amis, pourquoi? Parce que je voulais vous ouvrir les yeux sur quelque chose en espérant avoir réussi ma mission. Et c'est super parce qu'il y en a plein hein, qui ont regardé les vidéos à cette époque-là. C'était trash. Je cassais peut-être les autres youtubeurs ou je clashais, machin, etc. Mais parce que franchement, il y en a plein qui se sont foutus de votre gueule et continuent toujours à se foutre de votre gueule avec tout et n'importe quoi, les amis. Avec du Photoshop, avec des pseudo-programmes magiques, avec des pseudo-techniques magiques, avec des... Moi, ma seule technique, si tu prends ton muscle, tu lui niques sa race à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye. Bon. Il y en a plein, hein. J'ai clashé avec tout le monde, Nassim Saïli, Body Time, Nathan, avec tout le monde, des amis, parce que moi, j'aime pas le foutage de gueule, mais bon, voilà, tant mieux pour eux, ils ont fait leur business, c'est leur délire. Mais moi, j'étais toujours fidèle à mon poste, je suis resté fidèle, simple, voilà. À cette époque-là, les amis, je vous le jure, on faisait des vues de ouf, parce qu'on a commencé l'ère de révolution. Eux, ils étaient dans leur feed game, ils faisaient leurs vidéos entre eux, T-Bone Shape, Rudy Time, avec l'autre, avec Rudy, avec Nassim, avec... Voilà. Mais moi, je faisais mes trucs solo.
Donc, j'étais avec une Kalachnikov derrière, et bam, 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 je bombardais. Et que les gens, ils disaient, mais c'est quoi ce guignol, de quoi il parle, machin, et ceci, cela. Et au fil des années, j'ai jamais changé de speech. Ils se sont rendus compte que, peut-être en achetant les programmes de ces gens-là, ou, ils se sont rendus compte qu'ils ont testé la muscu, la vraie, pure et dure, et ils ont compris qu'il y a que la souffrance qui paye, qu'il faut patienter, et qu'il y a rien de magique, et que ces gens-là, ils étaient plus, au début, ils partageaient leur passion, après, c'est parti dans un business, parce qu'ils voulaient vous gratter à 300%. Donc les amis, à cette période-là, la vérité, je touchais bien. De YouTube, juste en faisant YouTube, sans les programmes, je touchais entre 1002 et 2000 euros par mois. Tu te faisais un SMIC en faisant des vidéos, c'était cool les amis. Quand on voit aujourd'hui pour faire un SMIC comment tu taffes comme un chien, à cette époque-là, on était bien, 2014-2015. Maintenant, les amis, on viendra à ça tout à l'heure, c'était chaud. Après, moi, je suis parti sur des produits dérivés comme le coaching, etc. en ligne. Ça a super bien marché avec mon tout premier programme spartiate. J'en ai vendu gavé. J'avais... Pour l'instant, mais je suis resté toujours le plus proche possible des gens, les avoir au téléphone, toujours la personnalisation à fond, à fond, à fond. Par la suite, ça s'est développé en la méthode allemande qui a aussi explosé parce que tu avais toujours le coach au téléphone, en visio, etc. J'avais toujours ce contact et tu pouvais toujours m'avoir au téléphone. Même aujourd'hui, tu peux toujours m'appeler, je vais te répondre. Même si tu ne m'achètes pas un programme, je vais te répondre quand même. Et ça, c'est de l'investissement et je peux vous dire que les amis, ça prend du temps. Donc à cette période-là, oui, franchement, je vous dis la vérité, oui, on a bien travaillé et c'est ça qui m'a permis à faire un peu d'économie pour pouvoir ouvrir ma première salle de sport avec l'aide des Spartiates qui m'ont quand même fait une cagnotte pour financer la première salle de sport et que je remercie encore une fois aujourd'hui et c'est grâce à eux qu'on a eu un fonds, que ce soit le matériel, que là, on a ramené ici pareil. Ça veut dire que vous, quand vous voyez Maître Cuel, vous dites waouh, putain, il est connu, Instagram, machin, il vit bien. Des fois, tu le vois avec des belles voitures, des ci, des ça. Franchement, les amis, est-ce que je touche 10 000 euros aujourd'hui? Je vous réponds à la question. Non, je touche 0 euros là. Avec la salle de sport, je touche 0 euros parce que les amis, quand tu ouvres une salle de sport la première année, oubliez, tu veux la faire couler? Si je prends 10 000 euros de salaire par mois, vous pensez que la salle, elle va rester? Elle va dans le négatif directement. N'oubliez pas qu'on a les charges, on a l'eau, l'électricité, on a tout. Il y a énormément de charges, les machines, les crédits, les leasing. Et les amis, il y a énormément pour pouvoir vous proposer une prestation pareille. Avec l'investissement que je fais 60 à 70 heures de présence avec le coaching, le suivi, etc. Et je ne prends pas de salaire. Je pense, les amis, que c'est d'ici janvier, ça va être bien et j'aurai quand même droit un salaire qui va pas non plus être le plus kiffant de certains derrière la caméra. Ils pensent, oh putain, ils doivent se prendre peut-être 4, 5, 6, 7, 8 000 euros. Non, non, les amis, non, non, non. Il faut pas être trop gourmand avec son entreprise parce que vous la coulez. Parce que ça, il faut toujours garder de la trésorerie pour les jours à venir. Les jours durs qu'on est en train de subir aujourd'hui avec les pénuries d'essence, etc. Tout ça va flamber, tout ça va augmenter. Sauf que l'abonnement de la salle de sport, on va pas du jour au lendemain rajouter 15-20 balles. Hein. C'est pas possible parce que les gens, ils vont arrêter de faire du sport, ils vont se mettre tous à courir. Donc voilà, les amis, c'est que à travers cette petite vidéo-là, il faut que vous vous dites qu'un patron, il ouvre pas la salle de sport, c'est pas un Intermarché ou un Leclerc. Hein, tu ouvres la salle de sport, pam pam, t'as des 1 000 euros qui t'attendent, machin, etc. Le sport aujourd'hui, certes, des fois, c'est un besoin, mais c'est pas un besoin ultime, comme manger. D'accord, les amis, ça, c'est un besoin ultime. Honnêtement. Quand tu ouvres un restaurant, oui, mais si tu fais de la bonne bouffe, ça marche mieux qu'une salle de sport. Mais sauf que les amis, nous, voilà, il y en a plein pour venir à la salle. Ouh, il faut qu'ils réfléchissent, il faut que tu fasses de la pub. Oui, moi, je suis quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux à fond, à fond, à fond. Que ça soit Instagram, Facebook, YouTube, je donne le maximum possible de moi-même. Mais sauf que les amis, je vous le dis honnêtement, si vous êtes vous derrière la caméra, coach sportif, et vous avez eu votre diplôme, ne rêvez pas, les amis, voilà, hein. Même les coachs qui ont des palmarès, qu'on est sur YouTube, ça fait longtemps, etc. Ou que sur le net. Voilà, moi personnellement, s'il n'y avait pas les coachings en ligne, je serais dans la merde. Si je n'avais pas mes économies par rapport à ça, pour pouvoir maintenir la barque aujourd'hui, je serais dans la merde. Parce que tu ne peux pas vivre aujourd'hui avec 0 euros. Les gars, vous êtes des oufs. Ça fait rien du tout. Hein. Rien que l'alimentation, moi, par mois, je vais être à 400-500 euros. Voilà les gars. Et moi, j'aime bien travailler, j'aime rien demander à l'État, machin, etc. Voilà. Il y a des aides, etc., tout ce que vous voulez, mais moi, je veux travailler charbonner pour pouvoir tenir cette barque-là jusqu'à ce qu'elle tient la barque et par la suite de qualité, entretenir ça.
Moi, ça m'intéresse pas de faire 500, 600, 1000 adhérents dans la salle de sport comme les Basic Fit, les Giga Fit, les machins et tout. Moi, si j'ai 150 clients fidèles avec un bon suivi qui changent, transformés à 300%, qui sont satisfaits de la prestation, qui vont rester avec moi comme une armée de spartiates motivés à 300%, et j'espère qu'un jour j'aurai 300, d'accord? Derrière moi. Les amis, je dis alhamdoulilah. Comme ça, au niveau de la banque, les amis, c'est toujours régulier. Et non pas cette année-là 300, l'année d'après 100, après c'est 200. Là, c'est compliqué. Et ça va être dur pour tout le monde. Il ne faut pas être gourmand dans la vie, les amis. Vous voulez plus. Et vous êtes en train de rêver, les amis. Parce que les gens, ils vous en vendent des vies. Hein, qui sont sur Internet, là, qui font des vues, machin. Ils se déplacent, là, ils prennent l'avion, ils prennent Zibis. Et tout ça, c'est les amis, c'est du EasyJet, c'est du machin, c'est du blabla. Voilà, le vrai, il est où? Le jour où il n'y aura plus YouTube, les réseaux sociaux, tu vas pointer à Pôle emploi, tu vas lui dire, mon métier, c'est influenceur. Mon métier, c'est coach online. Non, les amis. Non, mais faites attention, les amis. C'est pour ça que moi, je vous dis, YouTube, ça paye plus aujourd'hui. Regardez les quotas sur Internet, le Fit Game, ils se cassent la gueule. Ils ont 1 million d'abonnés, ils font même pas 100 000 vues. Ça veut dire 90% de leur communauté, elle regarde pas. Même moi, pareil. Les vues, ils ont chuté de ouf, malgré que je fais des vidéos pour partager la passion, pour montrer le quotidien d'une salle de sport. D'accord? Le quotidien d'une salle de sport, des défis avec mes spartiates, on s'enjaille, on rigole, on partage des évolutions, il y a des vidéos où on va chez les gens, voir comment ils mangent, etc. Donc voilà les amis, c'est que cette idée que vous avez, moi je vous la donne ma vie, venez voir, hein, venez voir. Hein. J'arrive à 8h du matin, des fois je pars à 22h, je suis cassé, défoncé. On travaille sur tout, l'aspect physique, l'aspect psychologique, tout les amis, de A à Z. Le coaching personnel, nous, on colle au cul de la personne de A à Z. On rentre dans sa vie, son moral, son mental, l'alimentation, son frigo, tout pour qu'il puisse avoir des résultats. C'est pour ça que ça fait la différence. Aujourd'hui, si vous montez une salle de sport et que vous n'avez pas de concept, vous coulez vite face aux grandes chaînes qui arrivent, qui vont tout défoncer. Ils ne savent pas faire la différence, mais à vous aussi de vous démarquer. C'est pour ça qu'il y a des coachs qui sont là à rêver, tu vois. Mais faites votre métier, vous êtes coach sportif, vous n'êtes pas youtubeur. Il faut faire la différence entre les deux. YouTube, maintenant, c'est secondaire pour moi, malgré que YouTube il m'a aidé énormément, c'était le tremplin au début. Mais au fil du temps, les amis, vous passez plus de temps. Après, les amis, si vous voulez faire de ça votre métier, accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous. C'est pour ça, là, moi, je m'accroche de ouf, parce que je sais que là, ça commence à bien monter en même pas 3 mois. On commence à dépasser les 100 adhérents. On paye les charges, etc. Mais les amis, Maître Cal n'a pas de salaire. Donc, d'ici peut-être janvier, on pourra maintenir la barque et avoir le salaire qu'il faut. Mais sauf que les amis, ne soyez pas trop gourmands. Et les patrons, ils se reconnaîtront derrière parce qu'ils savent très très bien que c'est très très compliqué. L'argent facile, ça n'existe plus maintenant. À part arnaquer les gens et être malhonnête. Voilà, mais ça c'est autre chose parce que je pense que moi, sur Internet, avec les pseudo-coachs qui sortent, avec les super X-Netty, avec les programmes XX, je sais pas quoi, les machins, les cils et ça, tout ça, c'est du baratin. Moi, je changerai jamais de discours. Il y a que la souffrance qui paye, les amis. Il n'y a pas de produit miracle, le miracle, il est en vous. Vous venez à la salle de sport, vous franchissez la salle, vous demandez le savoir-faire. Si la personne, elle est passionnée, elle va vous aider. Si elle n'est pas passionnée, non. Moi, c'est la passion qui me fait réveiller tous les matins pour le sourire des gens qui sont là au Maître Cal Gym. Voilà, moi, ce que je vous dis honnêtement. Et même les coachings que je vends, ils sont à hauteur de 100€ par mois. Mais quand tu dis 100€, t'as le régime alimentaire, t'as le programme d'entraînement, t'as le coach en ligne. Ça veut dire que la personne, et elle ment comme ça, comme vous, comme ça au téléphone, je l'analyse son corps et tout. Il y a énormément de boulot par rapport à ce qui marche sur le marché. J'essaie toujours de ramener une qualité de prestation pour que tous les gens derrière la caméra, qu'ils soient au Pôle emploi, qu'ils soient RSA, tout ce que vous voulez, puissent profiter d'une qualité de prestation de ouf. Ici, à 69,99€, vous avez 4 séances de coaching personnel, sachant que sur le marché, sur Bergerac, on est à 45€ de l'heure. Vous savez, ils payent 45€ pour aller dans un garage, à sauter sur une box, d'accord, les amis, et à faire des kettlebells, tac, tac, comme ça, et ils pensent, et par la suite, il fait 3-4 mois, et après, il arrête, parce qu'il n'a pas de résultat, etc. C'est tout et n'importe quoi. Quand je vois des trucs comme ça, les amis, mais chacun fait comme il veut. Par contre, les amis, soyez honnêtes, et soyez dignes de la prestation que vous proposez. Ça, c'est hyper important, les amis. Ici, 4 séances de coaching personnel, le régime alimentaire, les bulles corporelles et le suivi, les amis, et s'entraîner dans une salle avec une ambiance familiale où tout le monde, que ce soit gros, obèse, balèze, tout le monde est pareil pour moi, d'accord, avec un coach qui a quand même 23 ans de pratique, qui a quand même 18 ans de prépa physique et qui a quand même plus de 2 ans d'athlète. Vous voyez, les amis? Donc voilà, c'était une petite vidéo. Donc j'espère que ça changera la vie des gens. Hein. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, etc., c'est bien pour partager la passion. Mais les amis, un métier
un métier réel, c'est 1000 fois mieux. Le virtuel, à un moment donné, les amis, quand ça va se casser la gueule, vous allez pleurer. Mais par contre, le réel, vous allez le garder de côté et ça va vous servir. Donc, la souffrance qui paye, les amis, n'oubliez pas pour me suivre sur mon Instagram, Maître Cal, et pour le coaching en ligne, le numéro de téléphone qui s'affiche. Je vous dis à la prochaine. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fac, malafac, malafac, à 300%. Peace.